Salut tout le monde, alors aujourd'hui on est contre 3Q, petit jeu de mots assez marrant. Enfin bon, du coup voilà, on rigole un petit coup, voilà. Bonne chance. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer les petites gargouilles. On va envoyer je sais pas pour l'instant. Allez, on va envoyer le chaud au chaud de cochon, on est des fous nous. On est comme ça, voilà. Bon, on a pris un risque malheureusement qui va nous payer un petit peu. Quoique ça va. Hein, ça va, quand même minimum, hein. Ah, un minimum de dégâts. Ça fait quand même plaisir, on tue un peu la Valkyrie. Ça va, et franchement, ça fait plaisir. Donc, je pense qu'on va mettre... Ah, on va pas mettre une autre Valkyrie. Hop, boum, voilà. Ah oui, Vashkiri, comme je les appelle. Vashkiri, ouais, Vashkiri. Non, j'aime bien ce nom, je sais pas pourquoi. Je trouve que ça leur va un peu mieux. Oui, donc, du coup, on a envoyé Valkyrie... oui, donc j'ai dit n'importe quoi, hein, quand je dis on va pas envoyer de Valkyrie, je sais pas quoi. Enfin bon, je suis un peu fatigué, je dis n'importe quoi, mais en gros c'était côté droit, j'allais pas l'envoyer parce que je devais l'envoyer côté gauche. En gros, voilà, voilà, pour ceux qui en bas compris. Du coup, faudrait que j'arrête de dire E, parce que c'est vrai que ça devient un peu louche quand même, hein, bon. Ah là là. Ah ouais, non mais bon, il y a des fois, hein. Ah ouais, il y a des fois on n'y arrive pas, hein. Ah, il y a des fois on n'y arrive pas, hein. Par contre là, le chevaucheur cochon il fait plaisir quand même, hein. Ah ouais, il y a des fois, le chevaucheur cochon, quand il n'y a pas beaucoup de troupes qui défendent derrière, il envoie du lourd, hein, quand même. Hein. Non, mais il a bien fait d'être baissé, hein, parce que je trouve un peu cheaté, quand même, hein, le chevaucheur cochon. Hein. Là, ça va, il va bien, on va dire. On va dire, il est plutôt bien. Tu peux le défendre, mais il est pas non plus... bon, tu peux le défendre, si tu le défends pas assez, c'est vrai que des fois, il peut être assez gros au niveau de l'attaque. Mais c'est vrai qu'il est quand même défendable, déjà un peu mieux qu'avant. Enfin, il fait moins de dégâts. C'est pas qu'il est plus défendable, c'est juste qu'il fait moins de dégâts. Du coup, c'est un peu moins grave. Bon, il en fait toujours quand même, hein, mais il en fait déjà un peu moins, c'est déjà bien. Donc, c'est vrai que c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Chevaucheur cochon qui est plutôt pratique. Donc, déjà, c'est. Tu vois, petit à petit, ils arrivent quand même à. Les gens, ils sont pleins que le chevaucheur cochon il est baissé, mais non, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux comme ça, au moins, on a plus de facilité au niveau de. Voilà, du contre, hein, tu vois, parce que sinon après c'est un peu trop cheaté, voilà, c'est un peu comme le géant, quand t'arrives pas à le contrer, t'es dans la merde, quoi, tu vois, parce qu'il a beaucoup de vie, donc avant de le... certes, il fait pas beaucoup de dégâts, mais bon, il suffit d'un petit sort de rage et des petits gobelins derrière, et boum, ta tour, elle part en lambeau, tu vois, je sais pas si je défends, je pense que je sais quand je... Non, je vais pas réussir à défendre, si, je sais, si, parce qu'il va pas casser ma tour tout de suite, normalement, donc c'est parti, nickel, allez, boum. Ça c'est bon ça. Et regardez la tour là-haut. Oh là, non, je suis un enfoiré, j'envoie du... Ah bah d'un côté il a envoyé des flèches. Attends. Le mec a envoyé des flèches. Ah bah je suis désolé gros. Aïe. Ouais, désolé. Bon bah désolé, moi j'ose pas dire quelque chose parce que j'aimerais pas le mettre en rogne. Ouais, juste que... il a envoyé des flèches mais il a pas touché mes hordes de gargouilles. À ce point là quoi. Ah ouais, non mais j'avouerai que c'est un peu bizarre, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Enfin bon, il a envoyé des flèches comme ça et puis... Enfin je crois qu'il a envoyé des flèches, hein. Si, je m'en rappelle bien. Enfin si j'ai bien vu, j'ai vu un impact de flèches donc à mon avis si. Bon, attends, je vais vous laisser sur ce. Voilà, donc petite idée au niveau de... petite idée, juste que voilà, au niveau du cochon c'est plutôt pas mal, ça fait plaisir qu'il soit baissé. Franchement, c'est cool, voilà. S'il pouvait le baisser encore plus. Non, il faut pas non plus déconner. Ouais, juste comme ça, un petit truc. Au niveau du squelette géant, quand il envoie une bombe, si jamais ça tuait nos propres troupes, ça pourrait être mieux quand même. Il serait déjà un peu plus équilibré. Parce que son atout, c'est de faire une grosse explosion. Mais cette grosse explosion, elle est un peu cheatée. Le problème, c'est que vu que c'est son atout, tu peux pas la baisser. Tu peux pas baisser les dégâts de cette explosion. Sinon, il servirait plus à rien. Et donc, du coup, ce qui pourrait être pratique, c'est justement que ça tue nos propres troupes à nous. Et comme ça, au moins, on ferait attention, on n'enverrait pas trop de troupes pour pas qu'elles se fassent tuer et tout par l'explosion, tout ça. Ça serait déjà un peu plus stratégique, tu vois. Ça serait déjà un peu mieux. Je trouverais un peu moins de cheaté. Ce serait déjà un peu mieux. Mais bon, qu'est-ce que je te dis? Après, voilà, on fait comme on peut. Voilà, après, bon... Mais bon, ça pourrait être vraiment une bonne idée. Voilà, après moi je vous laisse, à un moment donné je pense que je vais vous laisser sur ce. J'ai plus rien à vous dire, donc du coup moi je vous dis une prochaine vidéo et ciao. C'était une petite attaque du jour, pour ceux qui n'ont pas le temps comme d'habitude. Et puis voilà, donc moi je vous dis une prochaine vidéo et ciao. Et puis n'oubliez pas, restez cool.